J'espère que vous allez bien. Jour 2 de notre calendrier de l'Avent de Milly. Et aujourd'hui, je réponds à cette question qui m'est très souvent posée. Que préfères-tu photographier? C'est une très bonne question. Et cette question, je ne vais pas y répondre frontalement, comme ça, ce que j'aime. Parce qu'en fait, j'ai besoin d'un cheminement. Là, comme ça, je vais me dire, attends, mais j'aime tout. Donc, mon cheminement, il est simple, c'est je me pose la question de ce que je n'aime pas. Et ce que je n'aime pas, ça va être très... Il y a plein de choses. Je n'aime pas faire des photos de groupe pour, je sais pas, une collectivité, des pompiers, une association, des choses comme ça. Je n'aime pas faire des photos, par exemple, de produits pour mettre en avant sur un site internet. Je sais pas, moi, des produits, je veux dire n'importe quoi, des boîtes de conserve, je sais pas. Bref, ça je n'aime pas. Je n'aime pas... Qu'est-ce que je n'aime pas encore? Je n'aime pas les photographies en studio. Les photographies posées en studio, notamment. Je n'aime pas les photos type mode. Ça me plaît pas. Donc ça fait déjà plein de choses. Et en fait, quand je réfléchis, je me dis, mais attends. Si je me pose 2 secondes et que je fais le point sur ce que je viens de dire, eh bien, ressort quelque chose. Pour moi... Eh bien, tout cela, dans tous ces exercices-là, il n'y a pas d'émotion. Peut-être que vous trouverez de l'émotion à photographier des raviolis, je sais pas, why not? En revanche, de photographier le chef cuisinier dans sa cuisine qui est en train de concevoir ses raviolis, bon, c'est pas terrible, ses ravioles, on va dire, là, il y a de l'émotion. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. En revanche, pour l'association, la photo de groupe, où tout le monde, il est... Non, je vois pas l'émotion. Donc, ça vient... Enfin, là, c'est là où j'arrive à ce que j'aime. J'aime photographier, les mariages. J'aime photographier ces moments où on attend un petit bébé. Et puis après, les photos de ce petit bébé. Les photos de vos enfants qui grandissent, que je retrouve depuis 10 ans, année après année. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'émotion. Et c'est ça que j'aime photographier. Vos émotions, ce qui vous lie, toutes ces connexions entre vous, c'est ça que j'aime. Alors aujourd'hui, ce que je te propose, toi qui es collègue photographe, c'est que tu te poses aussi véritablement la question de ce que tu n'aimes pas faire. Et ce que j'ai fait il y a des années, je m'étais mis au 1er janvier, je m'étais dit, cette année c'est terminé, ça tu ne le fais plus. Parce que tu n'as pas aimé, tu en as fait cette année, que ça ne t'a pas plu. D'aller prendre un chèque pour faire ça, c'est non. Alors oui, vous allez me dire, c'est bien, t'as peut-être les moyens de... Non, j'ai pas les moyens de dire non. C'est juste que, psychologiquement, il est hors de question que j'aille faire des choses qui me font pas du bien. Voilà, c'est tout. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce que je n'aime pas faire? Et le défi pour l'année prochaine, c'est justement de se dire, cette année, je refuserai ça. Pourquoi? Parce que refuser tel ou tel contrat va vous amener des contrats avec des choses que vous aimez parfaitement parce que vous aurez le temps de les faire, tout simplement. Et ça, c'est vrai. Enfin, vraiment, je le dis et le redis, mais ça fait 10 ans et je sais que ça fonctionne, donc faites-le. C'était le défi du jour parce que j'ai envie qu'il y ait des petits défis aussi dans ces, dans ces cases du calendrier de l'Avent. Case, c'est pas très beau, mais je sais pas comment dire. Alors, ce sera comme ça. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée et on se retrouve demain pour notre jour 3 du calendrier de l'Avent. Bisous.